Oui. La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short. Franchement. Ça a mieux fait de leur vie. Tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal? Ouais. Une joueuse de tennis professionnelle. Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça dépend du short, hein, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle? Ouais, maintenant, les joueuses professionnelles, ça, je sais pas. Enfin. Vous préférez la jupette, vous, c'est ça? Oui, je préfère la jupette. Je vais finalement reprendre une petite suce, s'il te plaît. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Oui, dans la rue, et toi, c'est pareil, tu seras un peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Hein. Ouais, bah, je viendrai en jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein. Et moi, c'est pour ton bien que je te dis ça. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. T'as 30 ans, t'as beaucoup de temps à perdre, hein, je te signale. Merci, Henri. Mais pas de quoi? Si. Mais si, parce que je pense que ça va beaucoup me servir. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, qui me remette sur la bonne voie, bah t'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre? Eh ben, moi je croyais qu'il en fallait, du vinaigre. Tu m'aides beaucoup, hein? C'est incroyable, parce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. Oh, ouais. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Il faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. T'as compris quelque chose, toi? Ben oui, tout. T'es vexé? Oui, moi, je dirais ça, ouais. Mmh. Y a que la vérité qui blesse. Non, patron, c'est pas vrai, ça. Moi aussi, je disais ça, mais jusqu'à 12 ans... Bon, on peut pas se parler entre frères et sœurs? Hein?